Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? La peur? Peur de quoi? De la fin du monde? De la fin d'un monde? De mon monde? Tous ces objets qu'on accumule pour remplir sa vie, à quoi ils me servent, hein? À quoi? Pour me souvenir? Sûrement, oui. À me rappeler que j'existe. Que j'ai une vie. Que j'ai eu une vie. Et qu'est-ce que j'en ai fait de cette putain de vie? Pourquoi j'ai la trouille? C'est con d'avoir la trouille. Ça change rien. Ça m'aide même pas à traverser la nuit. Cette obscurité qui m'étouffe. Qui me ronge le cœur. Et l'âme. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah oui, ma vie d'avant. Cette femme qui m'a peut-être aimé, que j'ai sûrement aimé un jour. À quoi ça ressemblerait un monde sans femme? Va savoir. Va savoir si la solitude n'est pas plus grande à deux. Est-ce qu'on rêve encore quand on ne peut plus respirer? De l'air, il me faut de l'air. Je m'en fous de crever pour ce qu'il me reste à faire. Pas le temps de tout refaire, pas le temps de revoir ma copie. Oh merde, la clé! Ouais, ouais, bravo, bravo. Ah, au moins je profite du vide, du silence, comme si je vivais déjà mort. Ma mort. Ces chaises qui attendent personne, ces arbres qui me narguent. Bah oui, 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 vous allez me survivre. Si je croyais en Dieu, ça m'aiderait peut-être. Mais ce qu'on n'est même pas foutu de gérer correctement, ce qu'il a peut-être créé. D'ailleurs, c'est qui l'a inventé? Un type comme moi, pour oublier ses peurs? Peu importe s'il existe, j'espère qu'il a une bonne excuse. Mais qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Ah merde, 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 merde! J'ai oublié d'appeler maman! Ah. Ouais, en même temps, pour qu'elle me fasse encore des reproches. T'aurais dû me ramener du pain, t'as oublié ci, t'as pas fait ça, je t'ai dit de te laver les mains. Eh oui, bah y a plus que ça, ma pauvre maman. Se laver les mains, toucher à rien, ne plus s'embrasser, ne plus être qu'un propriétaire, mais sans le droit de jouir de sa propriété. Mais qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Hein? Ces arbres? Alors pourquoi je délimite leur espace avec une clôture, comme s'ils allaient s'échapper? Faites à qui ça appartient l'espace. Et l'air. Et le temps. L'avenir. La bestiole. C'est elle qui vit chez moi ou c'est moi qui vis chez elle? 1500 mètres carrés. 650 000 francs de dette. 146 nuits blanches. Respirer. Respirer. Ne plus agir. Ne plus penser. Ne plus savoir. Voilà. Voilà la toile que je devrais tisser pour m'envelopper dans ce néant sans fin. Pas la peine de broyer du noir. Pas facile de garder la tête hors de l'eau, hein ?
quand tout se noie autour de moi. Hein, Minou? Minou? Mais non, reste! Ah, saloperie de bête! C'est de votre faute, tout ce bordel! Vous nous avez fait croire que nous, on est les maîtres de tout! Alors que tout doit disparaître, tôt ou tard. Tu dois mourir pour revivre. Sauf moi. Est-ce que le monde serait différent si j'étais pas né? Est-ce qu'il sera différent après que j'ai vécu? Et si la nuit n'était que le miroir de la mort? Et si le soleil ne revenait pas?